Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler un petit peu des vidéos qu'il y a eu jusqu'à présent, jusqu'à ce presque milieu d'année, avec justement un nouvel aspect de la chaîne que j'ai pu développer, donc avec une vidéo sur une playlist d'introduction à tout ce qui est invention, innovation, aussi bien sur l'élevage d'insectes que les abeilles, que voilà, un petit peu d'autres choses. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos sur des inventions, des innovations qui pourraient être très cool à voir, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut vraiment être cool, déjà moi personnellement, de découvrir un nouvel objet, quelque chose qui pourrait servir. J'ai plein d'autres idées, donc je vous montrerai un petit peu tout ça et des choses qui sont également en lien avec la permaculture. Comme ça on pourra vraiment faire quelque chose de nickel et puis voilà, rajouter petit à petit des choses comme ça. Je vais également créer, donc avec cette vidéo là, une playlist donc concernant les films et séries en lien avec la survie, la collapsologie, l'écologie, le militantisme, un petit peu, voilà, toutes ces choses-là, sur des sujets, des documentaires même, que certaines personnes ont peut-être faites, ou d'autres, enfin, voilà, des republications de documentaires, de reportages, de films, qui sont... dans certains cas anciens et que vous n'avez pas forcément eu la possibilité de voir en entier, ou même que vous ne connaissez pas, comme par exemple le reportage Population Zéro qui va sortir en premier justement sur cette playlist là. Donc j'espère que ça pourra vous plaire. Donc Population Zéro, c'est juste un reportage qui démontre qu'est-ce qui se passerait à l'échelle de la planète Terre si tous les humains disparaissaient demain, et qu'est-ce qui se passerait réellement, quoi. Et du coup, par rapport à tout ça, bah, il y a vraiment des choses qui me font kiffer. Il y a vraiment plein de choses. Il y a également, donc, la plupart des reportages seront publiés sur YouTube si j'en ai la possibilité. Parce que la plupart des cas, on a les... comment ça s'appelle ? C'est pas libre de droit, vous savez. On a les droits d'auteur et autres. Et du coup, bah, soit YouTube bloque partiellement la vidéo dans certains pays et donc la monétisation... Mais de toute manière, actuellement, j'ai pas assez d'abonnés pour monétiser, donc on s'en bat les couilles. Et sinon, dans certains cas, donc par exemple comme le film Une vérité qui dérange, la vidéo est complètement bloquée, autant en publication que pour la... Enfin, je peux pas ni la publier ni la montrer, donc c'est complètement impossible pour ça. Par contre, je passerai par d'autres plateformes pour publier. Donc comme vous l'avez vu peut-être dans une ancienne vidéo, je vous ai parlé de Rutube, donc c'est le YouTube russe, donc peut-être que je publierai là-dessus. Et également je publierai donc sur... c'est pas vraiment une plateforme de vidéo, c'est un peu quelque chose comme Dropbox, si vous voyez. C'est un site qui permet de déposer des fichiers où on peut copier le lien et le donner accessible à tous. Donc je ferai dans ce fonctionnement là donc vous aurez le lien entre guillemets là dans la vidéo, dans les prochaines vidéos je veux dire. Et également dans la description, vous aurez juste à cliquer le lien. Dans la plupart des cas, quand c'est des petits fichiers, à juste télécharger le fichier. Et sinon, pour des gros fichiers, donc comme Une vérité qui dérange par exemple, c'est des fichiers, donc là c'est 1083 Go, du coup il y aura peut-être besoin de télécharger l'application Mega. C'est simplement la partie un petit peu plus développée que ce qui est accessible sur le site. C'est comme si tu avais une application pour YouTube que tu puisses télécharger sur ton ordinateur pour accéder au fichier. Bah là c'est de la même manière, tu télécharges Mega. Comme ça, tu l'as en accès sur ton ordi, tu te fais un compte et après tu peux ajouter le fichier ou juste le télécharger sur ta partie. Et également, je mettrai au cas où un URL pour l'avoir en téléchargement direct, mais sur une autre vidéo, du coup, vous inquiétez pas, ce sera tout expliqué. Donc, je vous expliquerai une vidéo pour la semaine d'après et tout. Pour l'instant, je reste toujours sur le même rythme de publication de 3 vidéos par semaine. 2 à 3 vidéos par semaine, ça dépend des fois. Je fais un peu des essais des fois à voir ce qui fonctionne le mieux, comme pour la playlist Invention Innovation. Donc voilà sur tout ça, j'ai toujours plein d'idées. Il y a le résumé du livre de La Pierre Jaune qui est sorti également. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite fiche. Et puis voilà, j'espère que vous aurez envie de voir mes vidéos, de les partager. Il y a des abonnés un petit peu à chaque vidéo, donc c'est sympa, on monte petit à petit. J'ai également, je fais une annonce dans ce sens-là, hein, mais j'ai également un autre projet plus végétal, donc que je vous développerai, et d'autres projets en attente. Allez, j'espère que ça vous plaira pour une prochaine fois. Allez, ciao !